Nous Alléluia. Shalom, shalom, les habitants de ce marché. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus bénisse vos activités. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus vous parler de l'amour de Jésus-Christ. Amen. L'amour que Jésus-Christ a manifesté à la croix de Golgotha. Amen. Pour que toi et moi, nous ayons la vie. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Amen. Ce matin, nous sommes venus parler de Jésus-Christ. Celui-là même qui t'a tant aimé. Amen. Celui-là même qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu as le prix aux yeux du Seigneur Jésus? Est-ce que tu sais, bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur Jésus? Amen. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime ce matin. Jésus vous aime. Nous sommes venus te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus vous aime, vous l'a manifesté. Son amour à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. Bien-aimé, devant Dieu, nous avons de la valeur. Amen. Plus que les anges. Amen. Bien-aimé, l'homme a de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Plus que les anges. Amen. La preuve en est que il y a des anges qui ont péché contre Dieu. Et Dieu les a chassés. Amen. Mais comme l'homme a péché. Amen. Comme l'homme a péché. Alléluia. Dieu lui-même, il a envoyé son Fils unique. Amen. Sur la terre. Bien-aimé. Pour qu'il puisse mourir. Afin de sauver l'homme qui a péché. Amen, amen. Tu vois comment Dieu t'aime. Bien-aimé, en ce matin, alléluia, nous voulons te dire que Jésus t'aime. Jésus vous aime. Dans la Bible de Père, dans le livre de Jean 3, verset 16. Amen. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que tout le croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Tu vois combien de fois Jésus, combien de fois Dieu t'aime, bien-aimé. Jésus-Christ a accepté de souffrir à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Bien-aimé, à cause de Jésus, nous puissions demander pardon à Dieu. Amen. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Parce que c'est lui qui a accepté de mourir à la croix pour toi. Pour que tu sois sauvé. Amen. C'est lui qui a accepté d'être humilié à la croix. C'est lui qui a accepté de prendre nos péchés, bien-aimé. Amen. Dans ta vie à Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un bien-aimé qui peut te donner le salut. Amen. C'est Jésus-Christ qui a donné le salut, bien-aimé. C'est Jésus qui peut te sauver. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre nom qui t'a été donné pour être sauvé. Amen. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Amen. Le chemin qui conduit au paradis, c'est Jésus, bien-aimé. C'est de ça nous sommes venus te parler. Toi, tu as accepté ton Dieu. Bien-aimé, tu sais que Dieu, les temps sont finis. Jésus est la porte. Les temps sont finis. Amen. Bien-aimé, ce mentir vers sa fin.
se mentir dans sa tête, dans ta vie à Jésus, pendant que tu respires, pendant que tu vis. Bien-aimé, il faut arranger ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Mettre de l'ordre dans ta vie. Pour attendre le retour de Jésus. Amen. Pour que même si la mort te trouve, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Amen. Dans ta vie à Jésus. Tu peux me dire que tu es déjà chrétien. Est-ce que tu acceptes Jésus? Y aller à l'église et accepter Jésus, c'est deux choses différentes. Quand tu vas à l'église, mais est-ce que tu acceptes Jésus? Bien-aimé, ce matin, nous sommes venus te parler de celui-là même qui aime le péché, mais qui n'aime pas le péché. Nous sommes venus te parler de celui-là qui est le véritable Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que le Dieu que nous suivons, il est un Dieu saint. Il est saint. Il est un Dieu saint. Son nom, c'est la sainteté. Il est saint. Il est saint. Et au paradis, c'est la sainteté. La sainteté qui reste. N'entrera là-bas. La sainteté qui reste. Le péché, bien-aimé, n'entrera dans le royaume des cieux. Mais est-ce que ton Dieu, il est un Dieu saint? Est-ce que toi, tu suis un Dieu saint? Amen. Est-ce que tu acceptes ce véritable Dieu? Amen. Il est un Dieu saint. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'aucun des souillures n'entrera dans son royaume. Aucune souillure n'entrera dans son royaume. On peut entrer au ciel. Raison pour laquelle, si tu dis que tu es chrétien, tu dois arranger ta vie. Range ta vie. Raison pour laquelle, si tu dis que tu es chrétien, tu dois chercher à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que toi tu mènes ta vie chrétienne selon la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que tu mènes ta vie chrétienne selon Christ levé? Ou bien tu mènes ta vie comme tu le veux? Dans les principes, dans les règles du Seigneur, tu prends ce qui t'arrange. Ou bien tu appliques tous ces commandements. Sans cela qu'il s'agit. Parce que être chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, être chrétien, c'est de marcher comme Christ le veut. Mais est-ce que tu marches comme Christ le veut, bien aimé? Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. Dans quel état il va venir te trouver? Amen. Est-ce que tu marches selon sa parole? Pose-toi la question. Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Pose-toi la question. Bien aimé, sans cela, il puisse voir en toi que tu l'aimes. Sans cela, il puisse voir en toi que tu es son enfant. Amen. Bien aimé, même si tu crains dans le feu, dans l'église où tu es, même pendant les années de conversion que tu as, mais si tu n'as pas gardé la parole de Dieu comme il se doit, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Jésus viendra chercher celui seul qui a gardé sa parole. Bien aimé, quand Jésus va venir, ce n'est pas les bâtiments qu'il va venir chercher. Amen. Ce n'est pas l'église où tu es qu'il va venir chercher. C'est toi et moi. Toi et moi. Si nous avons gardé sa parole. Amen. C'est toi et moi. Amen. Si nous avions gardé sa parole. Amen. Ce n'est pas l'église qui va venir chercher. Non. Ce n'est pas l'église catholique qui va venir chercher. Non. Ce n'est pas l'assemblée de Dieu qui va venir chercher. Non. Ni méthodiste. Mais c'est toi et moi. Amen. Si nous avions gardé sa parole. Amen. Sans cela qu'il s'agit. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas une mode. Être chrétien, c'est de suivre Jésus. C'est de marcher selon la principe de Jésus. C'est d'appliquer les commandements de Dieu. Sans cela, bien aimé, être chrétien. Aujourd'hui, si tu es avec une sœur ou un frère, tu lui demandes. Il dit, je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé. Bien aimé, pourtant en le voyant, tu ne vois pas, tu ne vois même pas le théâtre sur nous, bien aimé. Est-ce que tu vois cela? Être chrétien, bien aimé, c'est de te séparer du péché. C'est de te séparer de tout ce que le Seigneur n'aime pas. C'est pas toi du péché, bien aimé. Étant sur la terre, nous sommes des voyageurs. Bien-aimés, étant sur la terre, nous sommes des voyageurs. Je vais te donner un exemple. Amen.
Amen. Quand tu voyages, quand tu vas à l'étranger, tu t'assois dans ton coin parce que tu ne connais personne, parce que tu sais que tu es venu à l'étranger. Tu ne te comportes pas comme les villageois se comportent. Tu es tranquille. Tu sais où tu mets ton pied. C'est pareil aussi pour les chrétiens. Quand tu es chrétien, tu ne dois pas suivre le monde. Le monde, tu ne dois pas faire ce que le monde fait. Quand tu es chrétien, tu dois te séparer du monde. Est-ce que toi, chrétien, tu te sépares du monde? Les temps sont finis, bien. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Est-ce que tu te sépares du monde? Les temps sont finis. Est-ce que tu te sépares du péché? Jésus revient. Est-ce que tu ne touches pas à l'interdit? Jésus revient. Est-ce que tu ne touches pas à ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt, malgré tes années de conversion? Amen. Est-ce que si la mort te trouve, amen, tu pourras hériter le règne des cieux? Jésus revient, bien-aimé. Jésus revient, bien-aimé. Jésus revient, c'est une réalité, bien-aimé. Lui-même, il a prêché sur la repentance. Bien-aimé, évangélisation, c'est pour dire à quelqu'un, c'était ce qui va lui bloquer la route du ciel. C'est pour dire à quelqu'un ce qui va l'empêcher à entrer dans le royaume des cieux. Peut-être qu'il ne le sait pas. Ou il le sait, mais il ignore cela. Bien-aimé, accepte Jésus. C'est ça la repentance. C'est ça, bien-aimé, l'évangélisation. Amen. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus pour l'être. Nous sommes interdits. Ce qui peut te bloquer la route du ciel. Ce qui peut te bloquer sur la porte du ciel. Sur la porte du ciel, ce qui peut te bloquer pour rentrer au paradis. C'est de ça que nous sommes venus te parler. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Amen. Car seulement tu veux sa paix. Amen. Les temps que nous vivons, la vie chrétienne, elle est individuelle. Amen. Les temps que nous vivons, nous devons suivre Jésus. Les temps sont finis. Nous devons bien aimer. Les temps sont finis. Nous devons bien aimer. C'est maintenant que tu suives Jésus de tous nos cœurs. Amen. Les temps sont finis. Les temps sont réellement finis. Bien aimer. Les temps que nous vivons, nous devons regarder ce que Dieu dit de sa parole et marcher conformément selon ses principes. Amen. C'est cela qu'il s'agit, bien aimé. Parce que quand tu vas mourir, c'est Jésus qui va te juger. Ce n'est pas l'homme qui va te juger. Bien aimé, quand tu vas mourir, c'est Jésus qui va te juger. Raison pour laquelle étant sur la terre, il faut craindre Jésus. Il faut craindre Jésus. Il faut avoir la crainte de Dieu. Faut pas regarder à l'homme, bien aimé. Faut pas regarder ce que l'homme va te dire. L'homme va faire, ce que l'homme va dire de toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Bien aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Range ta vie, range ta vie, bien aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais c'est le péché que tu pratiques. Amen. C'est ça qu'il n'aime pas. Jésus veut que tu abandonnes le péché. C'est de ça nous sommes venus te parler. Le péché dans lequel tu es. Le péché dans lequel tu es. C'est ça que tu dois abandonner. Parce que c'est le péché qui va t'empêcher à rentrer au paradis. Malgré tes années de conversion. Mais s'il y a un péché en toi, tu ne peux pas rentrer au paradis. Jésus vous aime. Bien-aimé, arrange ta vie, bien-aimé. Jésus vous aime. Examine ta vie, bien-aimé. Jésus vous aime. Et marche conformément. Jésus vous aime. Selon les principes de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime, bien-aimé. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous sommes venus vous parler de Jésus. Nous sommes venus vous parler de Jésus. C'est pas de ce Jésus-là qui est mort et qui n'est pas ressuscité. C'est pas de nous. Nous sommes venus vous parler de Jésus. Nous celui qui est ressuscité. Celui qui a dit dans sa parole. Celui qui a dit dans sa parole. Qu'il sera ressuscité le troisième jour. Bien-aimé. Bien-aimé. Jésus est mort. Jésus il n'est pas mort pour un mouton. Il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Il n'est pas mort pour les animaux. Pour qui que ce soit, mais Jésus est mort pour sa créature. Ce matin, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à abandonner le péché. Jésus t'appelle à vivre une vie de sainteté. Jésus t'appelle à abandonner le péché
tu chéris tant. Le péché dans lequel tu es. 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 Bien-aimé. Jésus est moi la croix. Jésus est moi la croix. Il a dit j'ai tout accompli. Il a dit j'ai tout accompli. Lorsqu'il a dit j'ai tout accompli. Lorsqu'il a dit cela. Ce n'est pas pour que. Ce n'est pas pour que. Nous puissions vivre dans le péché. Nous puissions vivre dans le péché. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est pour que nous vivions dans le péché. Vous n'êtes pas que nous. Que Jésus. Que Jésus est mort à la croix. Ce matin, Jésus te témoigne son amour. Il te témoigne son amour. Parce que sur la terre, aucune personne ne peut t'aimer comme Jésus. Tes parents ne peuvent pas t'aimer comme Jésus. Le sang de tes parents ne peut pas pardonner tes péchés. Est-ce que tu entends cela? Le sang de tes parents ne peut pas pardonner tes péchés. Donne ta vie à Jésus. L'amour de ton mari ne peut pas t'amener au ciel. L'amour de ce monde ne peut pas t'amener au ciel. Ne peut pas t'amener au ciel. Ce matin, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te demande, d'abandonner le péché. C'est quoi le péché? Quand le Seigneur dit qu'il n'y a pas quelque chose, et que tu fais, cela devient automatiquement un péché. Il t'a dit faut pas voler. Jésus, accepte Jésus. Accepte Jésus. Parce que c'est lui qui est le
Il est le seul chemin. Il est écrit dans sa parole. Que ni ne vient au Père sans passer par Jésus. Si c'était, si tu n'as pas accepté Jésus, lorsque tu mourras, bien-aimé, ça sera terrible pour toi. Parce que tout ce que le Genèse et l'Apocalypse, tous les écrits se sont accomplis. Les prophètes ont prophétisé, les prophètes ont dit, les prophètes, et cela s'est accompli. Lorsqu'il dit, reviens. Bien aimé, s'il ne vient pas maintenant, c'est à cause de nous, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos péchés, bien aimé, c'est à cause de ton péché. S'il vient, combien de personnes seront enlevées? Si Jésus est venu cette nuit, Combien de personnes seront enlevées? S'il n'arrive pas, c'est à cause de toi. Parce qu'il veut que tu te prépares à sa rencontre. Si elle s'était pas préparée, bien aimée, son mari n'allait pas rentrer. C'est comme ça, Jésus te demande pour ce matin d'abandonner le péché. Le péché que tu étais dans, c'est ça qui te fatigue, bien aimée. Le péché que tu étais dans, c'est ça qui te fatigue, bien aimée. Il n'y a pas autre chose. Si tu ne vois pas la main de Dieu, bien aimée, il y a quelqu'un qui dit ici. Depuis longtemps, elle prie, mais elle ne voit pas la grâce de Dieu. La parole vient à toi. Tu dis, réponds-toi. C'est encore du péché dans lequel tu vis. Tu ne veux pas prendre la main de Dieu. C'est encore du péché dans lequel tu es. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Jésus ne bénit pas dans le péché. Bien aimé, tu ne sais pas comment venir à Jésus. Si tu ne sais pas, crois seulement. Qu'il est là, il existe, il vit à jamais. Mais si seulement tu l'acceptes comme Seigneur sauveur.
Seigneur est sauveur. Si tu l'acceptes, si tu l'acceptes, ton Seigneur est sauveur ce matin. Il va te délivrer, il va te délivrer, il va te délivrer. Jésus va te restaurer, il va te restaurer. Mais si tu l'acceptes pas, si tu l'acceptes, pendant que tu es seul, pendant que tu es seul, et si la mort te coûte, et que la mort, qu'est-ce que tu diras au Seigneur, qu'est-ce que tu diras au roi de roi, que tu diras, bien-aimés. Nous qui sommes devant vous ici, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Nous n'avons rien d'extraordinaire. Nous n'avons rien d'extraordinaire. Nous n'avons rien d'extraordinaire que vous. Nous sommes pareils. Mais Jésus, celui qui enlève, à la boue, il ne voulait pas asseoir à la table des rois. C'est ce qu'il a fait de les ennemis. C'est pourquoi il me dit. C'est pourquoi il mandate ce matin, pour te parler, pour te parler, son royaume. Il n'y a rien de t'annoncer, si ce n'est que le retour de Jésus. Jésus dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous sera donné. Jésus n'a pas donné le sou de vie.
On l'aurait déclaré mort. Nous serons déclarés mort. On l'aurait déclaré mort. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Cette grâce ne te permet pas de pécher. Cette grâce ne te permet pas de pécher. Cette grâce ne te permet pas de pécher. Bien aimé, l'enfer est là.
Certaines choses que tu ne connais pas. Amen. Nous sommes venus t'éclaircir, bien-aimé, ce matin. Amen. Certaines choses qui vont te, peut te bloquer la route du ciel. Amen. Que tu ne connais pas. Amen. Bien-aimé, bien-aimé. Comme nous disons, les temps sont finis. Maman, si tu entends Jésus, tu entends aujourd'hui. La voix qui te parle, c'est pas notre voix, c'est pas notre voix. Mais c'est Jésus qui t'a dit. C'est Jésus qui t'a dit. Lorsqu'il dira, au dernier temps, au dernier jour de ta vie, tu n'étais pas connu. C'est parce qu'il ne veut pas te dire ça. C'est parce qu'il est aujourd'hui. Il te dit de te repentir. Aujourd'hui, faut te repentir. Accepte Jésus. Dans ta maison. Dans ton foyer. Dans ton commerce. Bien-aimé. L'amour de Jésus, l'amour de Jésus est vrai. Elle est comparable. Jésus, fais des merveilles. Depuis que tu as commencé à faire maraboutage. Depuis que tu as commencé à aller chez les pétitions. Tu vois que tu ne deviens pas riche. Tu vois que rien ne va dans ta vie. Aujourd'hui, je te dis. Viens essayer Jésus. Jésus va te donner de quoi manger. Jésus va te sauver. L'amour de Jésus est grand. C'est pourquoi. Il a dit. Son fils, si quelqu'un ne t'aime pas, ne peut pas te sacrifier son enfant. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te donner ses entrailles. Bien-aimé, le sacrifice que Jésus a fait. Elle est suffisante. Pour qu'il y ait encore un autre sacrifice à faire. Si c'est pas ça, un amour puissant, un amour que le monde ne peut te donner, un amour que ta main ne peut te donner. Oui, je te le dis en vérité. L'amour de Jésus, elle est unique. L'amour de Jésus, elle est
unie. L'amour de Jésus, l'amour de Jésus, elle est comparable. L'amour de Jésus, l'amour de Jésus, elle est incontestable. L'amour que tes parents, tes maris peuvent te donner, n'est pas égalable à ce que Jésus va te donner. Si tu l'acceptes. Bien-aimé, si tu l'acceptes. Bien-aimé, bien-aimé. L'amour de Jésus, l'amour de Jésus est comparable. L'amour de Jésus est grand. L'amour de Jésus est grand. Voyez l'amour de Jésus. Voyez l'amour de Jésus. Il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir. Sur les champs. Du méchant. Du méchant. Et sur le bon. Et sur le bon. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est-à-dire que Jésus ne détruit pas. Jésus, il n'a pas de discussion. Jésus ne dit pas que non, parce que ceci, cela. Non, Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué. Je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Hey, bien-aimé, hey, bien-aimé. Ce n'est pas un repos que le monde te donne. Ce n'est pas un repos que lorsque tu donnes tes soucis, te supplies sur le lit. Pas ce repos-là. Non, ce n'est pas ce repos-là. Mais c'est un repos éternel. C'est un repos éternel. C'est un repos éternel. C'est un repos éternel. Bien-aimé, tu vois que la maman accepte Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus. Même si tu es catholique. Même si tu es catholique. Tu es assemblée de Dieu. Si tu es assemblée de Dieu. Si tu es bouddhiste. Si tu es musulman. Si tu es musulman. Si tu es musulman. Si tu es musulman. Si tu es animiste. Si tu es animiste. Si tu es rose croix, si tu es rose croix. Jésus te dit, Jésus, te il est le chemin, 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 c'est Jésus. Pour le ciel, pour le c'est ciel. Jésus, c'est Jésus. Pour le ciel, pour c'est le Jésus, c'est Jésus. Amen, amen. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter pendant Jésus. Que tu es de pieds, pendant que tu peux parler, pendant que tu peux parler, le diable te dit, le diable te dit, fais ta vie, fais ta vie, fais ta vie. Que tu as tout le temps que tu as pour servir Dieu. Mais le diable te ment, bien aimé. Le diable te ment, bien aimé. Il est le père du mensonge. 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 En ce matin, sois délivré. Sois délivré de ce esprit-là. Tu ne t'emmènes pas, Jésus. Sois délivré de cet esprit-là. Tu ne t'emmènes pas. Sois délivré. Au roi de roi. Parce que le diable te ment. Le diable te ment. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu es dans cette situation. Tu es dans cette situation. Dans cette situation. Tu es dans cette situation. Tu es dans cette situation. La situation ne change pas. La situation ne change pas. Depuis des années, tu vas à l'église. Mais ta situation ne change pas. 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 Bien-aimé. Revois ta vie. Revois ta vie. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? La parole de Dieu. Parce que la différence entre la créature et l'enfant de Dieu, enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu, il met en pratique la parole de son Père. Parce que vous me voyez, parce que vous me voyez, lorsque vos enfants ne vous écoutent pas, vous les frappez, vous les frappez. Plus forte raison, celui qui t'a créé, il te dit, ne vole pas, ne vole pas, tu voles, ne mens pas, ne mens pas, tu mens, tu mens. Celui qui te dit, celui qui te dit, c'est pas mari de gens, c'est pas voir, c'est pas ton concubinage, c'est pas ta concubine. Celui qui te dit, celui qui te dit, c'est pas de la fornication, celui qui te dit, c'est sorti de la terre, sorti de la terre. Mais tu ne veux pas, tu dis pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux laisser dedans, tu veux laisser, pas tu veux laisser dedans, tu veux laisser. Sors de l'ignorance, 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 sors de l'ignorance. Seigneur, Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, tu as besoin de lui, Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, de lui, tu as besoin de lui, tu as besoin. Bien aimé, bien aimé, je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est pas la peine d'haïr Dieu. C'est pas la peine d'haïr. C'est pas la peine d'avoir un gros cœur sur le commandement de Dieu. C'est pas la peine d'avoir un gros cœur sur le commandement de Dieu. Ça sera rien de murmurer contre Dieu. Ça sera rien de murmurer. Je te le dis en ce matin, Dieu. Ça sera rien de murmurer contre Dieu. De murmurer contre Dieu. De haïr ses serviteurs, ses serviteurs. Ce qui n'a pas pour te parler. C'est pas la peine, bien aimé. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. De détester Dieu. Parce que tu es un enfant. Parce qu'il n'est pas obligé de te donner. Mais il est obligé de te donner son amour. Il est obligé de te donner son amour. Il est obligé de te donner son amour. Il est obligé de te donner. C'est pas la peine, bien aimé. D'avoir de la rancœur contre Dieu. D'avoir de la rancœur contre Dieu. C'est pas la peine. Tu te fais du mal. C'est pas la peine, bien aimé. C'est pas la peine. Parce que toi qui te aimes, parce que tu es chinois. Parce que tu es chinois.
quand tu aimes quelqu'un, tu suivant. Parce que l'amour suivant tout. L'amour suivant tout. L'amour suivant tout. Ce matin, accepte Jésus. Ce matin, si tu entends la voix de l'Éternel, change ta vie. Pose-toi les questions. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Est-ce que lorsque je suis chez lui, est-ce que Dieu me voit comme il doit me voir? Pose-toi les questions. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Est-ce que ma vie est comme un parfum de la de Dieu? Est-ce que ma vie est semblable à la parole de Dieu? Bien-aimé, quelqu'un dit dans son cœur ce moment, est-ce qu'on peut mettre en parole, en pratique la parole de Dieu? On peut pas faire 100%, bien-aimé. Tu le peux. Si seulement tu acceptes le Seigneur Jésus. Il a dit je vais. Et je vais me consolateur. Il a dit je vais. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veut t'amener à fuir le péché. C'est le Saint-Esprit qui veut t'amener à abandonner le péché. C'est le Saint-Esprit qui veut t'amener à fuir la masturbation. C'est le Saint-Esprit qui peut t'amener à connaître ce qui est bon pour toi. Bien-aimé, parce que si quelqu'un qui se dit qu'il a le Saint-Esprit et qui marche encore dans le péché, parce que le Saint-Esprit, il est saint. Il est saint. Reconnais, accepte-le, confesse de ta bouche, confesse de ton cœur,
partage ton âme, que Jésus est ton Seigneur, est ton Sauveur. Bien-aimé, bien-aimé, le monde a tendance à dire, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde pas, Dieu regarde, il regarde pas l'apparence, il ne regarde pas l'apparence. Bien-aimé, c'est maintenant ce matin, quand tu dis, que le Seigneur regarde à ton cœur. Ce matin, il va voir la disposition de ton cœur. Regarde la disposition. Ce matin, il va voir si ton cœur s'est fait. Ça va tout autour de le compenser. Oui, c'est ce moment-là. Que ce moment plein effet. C'est à ce moment-là. Quand tu seras devant le roi des rois, et tu déclareras, Seigneur, je te prends comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que lorsque tu dis, que le Seigneur regarde le cœur, le Seigneur regarde le cœur. C'est en ce moment-là. Il va voir sur ton cœur, c'est ça. Bien-aimé, on vient pas à Jésus pour la musulman. On ne vient pas à Jésus. On vient pas à Jésus pour la musulman. On vient si tu es pas la musulman. Si tu es pas. Viens à Jésus. 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 Bien-aimé, si tu es fatigué, si tu es fatigué, viens à Jésus. Viens parce qu'il a de grosses choses pour toi. Il a de grosses choses pour toi. Il a des projets de bonheur. Il a les projets de bonheur, il a les projets de bonheur, il a les projets de malheur, il a les projets de bonheur pour toi, il a les projets de malheur. Bien-aimé, bien-aimé, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Si Jésus ne vient pas maintenant, Jésus ne vient pas maintenant, c'est à cause de toi, à cause de toi. Parce que tu vis encore dans le péché, parce que tu vis encore dans le péché, c'est le péché, c'est parce que tu ne sais pas que tu es dans le péché, que tu es dans le péché, parce que tu ne sais pas. Que tu es dans le péché, peut-être que tu ne sais pas, peut-être tu ne le sais, que c'est le péché qui est dans le péché, c'est une addiction. Peut-être que tu ne sais pas, que c'est un péché, que c'est un péché qui bloque ou bloque la bénédiction. Peut-être que tu ne sais pas, que tu ne sais que c'est le péché dans lequel tu es, c'est le péché que dans cette maladie. Peut-être que tu ne sais pas. Maladie. Mais aujourd'hui, le roi de gloire, 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 il est là, 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 c'est tellement. T'abandonner le péché, te demande, t'abandonner le péché, te demande, t'abandonner le péché, de sortir du mensonge, de sortir du vol, de sortir du mensonge, de sortir du vol, de sortir du vol, de sortir de la dictée. De sortir de la vie, de sortir des minutes, de sortir des minutes, tu as la haine, tu as la haine. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur, me pousse, dis à quelqu'un ce matin, dis à quelqu'un ce matin, que tu le prie. Mais tu as la haine en toi, bien-aimé, tu as la haine en toi. Jésus te demande, que tu le pries, tu le pries, mais tu as la haine en toi, tu as la colère en toi. Bien-aimé, Jésus te demande, d'abandonner. Ne te repentis de la colère, ne te repentis de la colère, ne te repentis de la haine, parce que toutes ces choses ne viennent pas de lui, parce que toutes ces choses ne viennent pas de lui, mais il n'y a pas de plus longtemps. Mais tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ton frère, et puis tu espères en toi seul, même si ton pasteur ne te dit pas, même si ton pasteur ne te dit pas. Bien-aimé, même la nature même nous enseigne. La nature même nous enseigne. Bien-aimé, tu as la haine. Tu as la colère en toi. Ce matin, le roi de gloire est descendu de son trône. Elle te parle. 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 Car il déclare. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ceux que la haine ne rentreront pas dans nos royaumes. Ceux que la haine ne rentreront pas dans nos royaumes. Ceux que la haine ne rentreront pas dans nos royaumes. Ceux que la colère ne rentreront pas dans nos royaumes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, si tu as la colère, réponds-toi. Si tu as la colère, réponds-toi. Si tu as la colère, répands-toi. Parce que cela, tu ne te feras pas voir. Cela, tu ne te feras pas voir. Ne peux pas. Amène ne te lève pas. Cela, tu ne te feras pas. Répands-toi. 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 Parce que l'Éternel te parle. Parce que l'Éternel te parle. Parce que l'Éternel te parle. L'Éternel te parle. Tu dis, tu n'as pas la haine. Tu dis, tu n'as pas la colère. Mais l'Éternel te dit ce
matin. Je te dis, tu vis dans la colère, tu vis dans la haine, tu vis dans le mépris, tu vis dans la jalousie, tu vis dans toutes ces choses, tu vis dans tes petits. Sors de là, 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 sors de là. Il t'a pas appelé, il t'a pas ces choses. Il t'a pas appelé, il t'a pas ces choses. Il t'a pas appelé, il t'a pas ces choses. C'est un ami. Non, En ce matin, que l'esprit de la sorcellerie te fatigue, que l'esprit de la sorcellerie fatigue tes enfants, l'esprit de la sorcellerie te fatigue, dans tes songes, te tourmente, bien aimé, les ténèbres passent à nous ce matin, bien aimé, les ténèbres passent à nous ce matin, parce qu'il veut te délivrer. Parce qu'il veut te rassurer, parce qu'il veut, parce qu'il t'aime, 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 parce qu'il t'aime. Oh bien aimé, quand t'as dit à Jésus, réponds-toi, toi qui n'as pas l'amour pour tes enfants. Toi qui n'as pas l'amour pour tes enfants. Jésus t'appelle à aimer tes enfants. Jésus t'appelle à aimer sans condition. Jésus t'appelle à aimer tes enfants. Aimer, c'est seulement tes enfants. Sinon, si tu manges, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Oui, je te le dis, tu ne le verras pas. Parce que ainsi parle l'Éternel. Parce que sa parole le déclare. Sa parole le déclare. Si tu dis tu m'aimes, garde mon commandement. Garde ma parole. Ainsi parle l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, garde sa parole. Et il dit encore, ma parole n'est pas périlleuse. Mets sa parole en pratique. Et tu verras. Tu verras l'amour de l'Éternel. L'amour que le monde ne peut pas te donner. L'amour que les gens ne peuvent pas te donner. Merci. Bien aimé, Jésus t'aime. Il y a quelqu'un ici qui a depuis son enfance, qui a été maltraité, qui a été abusé. L'Éternel des armées est venu pour toi ce matin. L'Éternel est venu pour toi ce matin. Parce qu'il y a la lumière. Il va porter la lumière à ta vie. Il sait que tu as été abandonné. Il sait que tu as été violé. Il sait que le monde t'a accusé de ce que tu n'as pas fait. Mais il te dit en ce matin, il est là pour toi. Dis à lui seulement. Pendant que tu es occupé,
à faire les choses de ce monde. La mort va te suivre. Pendant que tu n'es pas encore prêt. Pendant que tu n'es pas encore prêt. Pendant que tu n'es pas encore prêt. La parabole de la vierge. Quelle année? Tu es parmi lesquelles? Tu es parmi les vieux sages. Tu es parmi les vieux sages. Tu es parmi les vieux sages. Parmi les vieux sages. Si tu es parmi les vieux sages, je te dis. Les vieux sages. Mais si tu es parmi les vieux sages, je te dis en ce matin. Range ta vie. 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 Sors du péché. 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 Et tu verras les bénédictions de l'Éternel. L'Éternel ne peut pas te bénir dans le péché. La parole de l'Éternel déclare. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chant. Parce que quand l'Éternel te donne, cela n'a pas de chagrin. Mais lorsque l'ennemi te donne, tu vas souffrir. Pendant que tu as l'argent, maintenant tu souffres. Mais tu souffres. Pendant que tu as la richesse de ce monde, mais tu souffres. Mais lorsque l'Éternel te donne ses bénédictions, lorsque l'Éternel t'ouvre ses bénédictions, elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Alors pour la main, la plus grande richesse, c'est de donner sa vie à Jésus. Le plus grand bonheur de ce monde, c'est d'accepter Jésus. C'est lorsque tu dors, tu supplies, tu dis oui, je suis fier d'appartenir au royaume de Dieu. Je suis fier d'appartenir à Dieu. À Dieu. Je suis fier d'appartenir à mon Père. À mon Père. Parce que oui, il y a des enfants illégitimes et il y a des enfants illégitimes. Bien aimé, Jésus te veut. L'amour que Jésus te tend. L'amour que Jésus te tend. Aucun homme ne peut te faire cela. Aucun homme ne peut te donner. Bien aimé, sors du péché. 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 On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. 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 C'est-à-dire, si tu mènes ton péché, tu appartiens à l'enfer. Si tu mènes ton péché, oui, bien aimé, tu as parti de l'œuf de poule. Oui, c'est fort. En attendant, ça dit, le monde attendant, ça dit, c'est que nous tous, on va partir en enfer. Bien aimé, laisse pas venir à Jésus par un enfer. Jésus n'a pas dit de venir à lui, il va te mener en enfer. Non. Jésus dit, viens à lui, il va te donner le royaume des cieux. Je lui dis, viens à lui, il va te donner la vie. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Bien aimé, servant de l'Éternel, servant de l'Éternel, servant de l'Éternel, servant de l'Éternel. Jésus t'appelle à son service. 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 Tu te connais. Bien aimé. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il dit, il t'appelle à son service. Il t'appelle à le servir. Il t'appelle à faire son œuvre. Oui, toi, servant de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Oh, servant de l'Éternel, l'Éternel te parle, l'Éternel te parle, l'Éternel te parle, mets-toi au service de l'Éternel, mets-toi au service de l'Éternel, car il t'a appelé à le servir, 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 à le servir. À le servir, 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 bien aimé. C'est bon de nous connaître. Jésus te parle. Il te parle en ce matin. Il te parle en ce matin. Il te parle en ce matin. N'anticipe pas ton temps. N'anticipe pas ton temps. N'anticipe pas ton temps.
suis pas ton père. N'anticipe pas ton père. Je suis pas ton père. N'anticipe pas ton père. Je suis pas ton père. N'anticipe pas ton père. Je suis pas ton père. N'anticipe pas ton père. N'anticipe pas ton père. Je suis pas ton père. N'anticipe pas ton père. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien aimé, bien aimé. Le séjour des morts. Le séjour des morts. Réel, réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Le Seigneur met devant toi. Le Seigneur met devant toi. La vie et la mort. La vie et la mort. Que Dieu ce matin. Que Dieu ce matin. Je mets devant toi. Je mets devant toi. La vie et la mort. La vie et la mort. Le va te dire. Choisis la vie. Choisis la vie. Le va te dire. Choisis la vie. Je choisis la vie. Et tu auras la vie. Et tu auras la vie. Ce matin. Ce matin. Le Seigneur pleure. L'éternel des amis pleure. Le Seigneur pleure. Parce que ses enfants jouent. Parce que ses enfants jouent. Dans le péché. Dans le péché. L'éternel pleure. Le Seigneur pleure. En ce matin. En ce matin. L'éternel pleure. Le Seigneur pleure. Bien aimé. L'éternel pleure ce matin. L'éternel pleure ce matin. Parce que ses enfants. Parce que ses enfants. Ont pardonné. Ont pardonné. Sa main. Sa main. Parce que ses enfants. Parce que ses enfants. Ne le confie plus. Ne le confie plus. Bien aimé. Bien aimé. Le trône du Seigneur pleure. Le trône du Seigneur pleure. Parce que ses enfants, parce que ses enfants l'ont abandonné, Vous s'attachez, Le trône de l'Éternel pleure, parce que ses enfants, l'ont abandonné, Vous attachez aux hommes, Bien aimé, Jésus pleure, Il pleure parce que, tu l'as abandonné, Il pleure parce que, Tu veux mettre ta confiance, En des hommes. Bien aimé, Jésus pleure ce matin, parce que tu as mis, la confiance en ton passé. Jésus pleure en ce matin, parce que tu as mis, ta confiance en ton passé. Jésus pleure en ce matin, parce que tu as mis, ta confiance en des hommes. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle à la repentance. Bien aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus pleure, parce que, Tu pas jouer à lui, à lui durer. Il t'a dit en ce matin, arrête de murmurer, arrête de dire, que l'Éternel ne fait rien pour toi. Arrête de dire, que le Tout-Puissant ne fait rien pour toi. Sans toi, parce que tu es reçu. Repends-toi. Parce que tu as le souffle. Tu ne peux pas t'attacher au bien de ce mort. L'Éternel pleure. Il pleure pour ton âme. Parce que tu as abandonné. Ton premier amour. Israël. Il pleure. Abandonné. Israël. Abandonné. L'amour de l'Éternel te prépare à t'envoyer près de lui. À
t'envoie près de lui. Petit gars que tu as. Le monsieur t'a pas marié. Il t'a pas doté. Il t'a pas doté. Il n'est pas le foi de parents. Bien aimé, c'est difficile à accepter. Mais le Seigneur Jésus dit, il n'a pas doté. Il n'est pas le foi de parents. Je vous le dis. Lorsque le Seigneur a convaincu son serviteur, Abraham, d'aller chercher une femme. Alléluia. Amen. Lorsque Abraham a envoyé son attendant, pour aller chercher sa femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la dot a été payée. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, autant pour moi, bien-aimé. Il allait chercher sa femme, Rebecca. La dot a été payée. Est-ce que tu as ramassé tes bagages pour faire sur le monsieur ce qui t'a donné? C'est difficile. Accepter. Mais si tu vas au ciel. Si tu veux voir Jésus. Faut sortir de la tuteur. Parce que. Tu n'es pas plus mieux. Que la prostituée. Est-ce qu'elle n'est pas mariée? Mais toi. Tu n'es pas marié. Mais aujourd'hui, l'amour de l'éternel. L'amour de Jésus. L'amour du roi de rois. Amen. A réfléchi. Qu'est-ce qui va me bloquer? Devant le portail du ciel. Bien aimé. Si nous on avait la ciel. Comme le monde dit. Si vous rentrez, fermez la porte. Bien aimé, si on avait la clé, nous ne serions pas devant ici, parce que nous avons la clé du ciel. Donc ce langage de ce monde peut dire que si on monte au ciel, on a pas fermé la porte et jeté la clé. Ne viens pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas ce langage-là. Parce que l'enfant de Dieu sait qu'un jour il va passer au ciel. Il sait qu'un jour, quand il va mourir, le Seigneur va le juger. Mais dans quel état ils vont te juger? Ils vont te juger en tant que pécheur. Ils vont te juger en tant que pécheur. En tant que fils du royaume. Bien aimé. Les temps sont finis. Si Dieu regarde au cœur, tu dis Dieu regarde pas l'apparence. Bien aimé. La parole de l'Éternel dit oui. Dieu regarde au cœur. Dans quel contexte? À quel moment le Seigneur dit ça? Lorsque Samuel est allé, où est les frères de David. Le Seigneur dit non, ne regarde pas l'apparence. Parce que Samuel, le prophète Samuel a regardé, parce que c'était bien bâti.
Le Seigneur dit non. Le Seigneur, mon serviteur. Mon serviteur. C'est pas lui là que je veux. C'est pas lui là que je veux. Mais celui que je veux. Mais celui que il est dans le champ. Il allait de prendre mon revue. Bien-aimé. Avant même que David avant, ne soit oué. Avant que David. Il était abonné. Moi qui ai brebis du Seigneur. Il était avec les bêtes. Le mouton de son papa. Bien-aimé. C'est en cela. En cela. Je vous l'ai dit. Que Dieu a dit à Samuel. Dieu ne regarde pas. Allez, ne regarde pas. Pourquoi regarde le cœur? Parce que le cœur de David était pur. Mais est-ce qu'on se souvient? Toi, tu peux affirmer que ton cœur. Aujourd'hui, tu peux affirmer que ton cœur. Le cœur de David était un cœur d'enfant. C'était un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, bien-aimé. C'était un cœur d'enfant. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux affirmer? Tu peux déclarer que tu as un cœur pur. Alors pourquoi dire à ton cœur que pourquoi dire Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que ton cœur qu'est-ce que ton cœur de Seigneur qu'est-ce que ton cœur ce moment dans le Seigneur qu'est-ce que ton cœur dans le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur obtient qu'est-ce que le Seigneur obtient dans ton cœur c'est pourquoi ce matin il te dit de la manière que regarde le cœur c'est comme ça il regarde le cœur la parole de l'éternel déclare que notre corps temple du Saint-Esprit Le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire ton corps. Le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu as de Dieu, t'as t'a aimé. Il t'a aimé. Il dit, ton corps là, c'est lui son temple. Il veut venir habiter à toi. Mais toi, tu prends ton corps là. Tu vas le connaître la fornication. Tu vas aller coucher avec le beau. Tu vas aller coucher avec quelqu'un qui t'a pas marié. Bien-aimé. Aucune excuse. En ce moment. Tu t'es dit, quand tu as trouvé le problème, il n'y a pas de travail. C'est ce que toi tu fais, c'est que tu avales l'argent. Je te le dis en vérité, c'est pas une excuse devant Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, les oiseaux, que lui-même, qui se nourrissent, sans planter, les oiseaux même, qui se nourrissent. Sans planter, il ne sème pas. Nous, ses enfants, qui l'a souffert, pour nous accoucher, nous enchambrer, il va nous laisser dans la foi. Bien-aimé, sans cela, l'amour du Seigneur, ta mère, à te poser la question. Il y a quoi encore dans ma vie, qui va m'empêcher de rentrer au ciel? Il y a quoi dans ma vie qui bloque la main de Dieu dans ma vie? Oui, c'est le péché. Peut-être que tu ne sais pas. Tu as dit qu'on ne t'aime pas. Tu as dit qu'on t'a passé. Tu as dit non. C'est le péché que tu as dedans. Tu continues de vivre dans le péché. Tu connais que tu vis dans le péché. Tu passes ton temps à te masturber. Tu passes ton temps à convoiter les jeunes filles. Tu passes ton temps à frapper à Oko. Allez. Tu passes ton temps à fumer. Oui, c'est tous ces péchés-là. Oui, ce sont des péchés. Tu ne peux pas arrêter. Implore la grâce de Dieu. Jésus vous aime. L'amour que Jésus a pour toi. Est si grand qui t'amène en ce moment à te rapprocher de lui, bien-aimé, ce matin, nous n'invitons pas. À venir dans notre assemblée, mais nous t'invitons à accepter Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi.
Et Jésus qui est mort à la croix pour toi. Aucun homme, aucun homme, aucune femme. N'a payé le prix. À la croix pour toi. Pour ton âme. Ton âme est précieux. Je te le dis. Ton âme est précieux. Fais attention. Ce que tu fais, bien aimé. Un jour. Jésus vous aime. L'heure venue. Bien aimé. Voilà quelqu'un qu'on n'entre pas au cimetière. Mais est-ce que tu pouvais être à la place de cette personne? Mais la grâce de l'éternel t'a été donnée ce matin. Alors, il faut qu'on voit Jésus. Parce que la vie dans sa parole. Moi et le Père. Nous sommes un. Moi et le Père. Nous sommes un. Alors. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus. Tu seras un avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Depuis le matin, voici ce que le Seigneur a permis aux saints personnes de te parler. Alléluia. Amen. Et nous savons que ta... Amen. Bien-aimé, sois béni. Bien-aimé, nous venons pour ajouter. Sur tout ce qui a été dit ce matin. Bien-aimé, nous sommes dans un monde. Et aujourd'hui, nous vivons tous. Et aujourd'hui.
aujourd'hui, que tu sois sorcier, que tu sois sorcier, tu as volé ce matin, tu as volé ce matin, tu vis, même si il y a nuit, tu allais tuer, tu as pratiqué la sorcellerie, tu es venu dans le marché ici, tu as chié dans le lieu, tes frères, tes soeurs, t'as pris des médicaments, t'as fait des sacrifices, suis les carrefours, partout, bien aimé, tu es en bonne santé ce matin, même si ce matin, tu as donné, tes sacrifices, t'as fait des sacrifices, au fétiche, tu as donné l'eau, tu as parlé, avec ton génie, tu as parlé, avec le cognac, tu as parlé, avec ton gris, en venant ici, tu as pris des nasiki, tu t'es pommadé avec, tu as bu un peu, bien aimé, ce matin, tu vis, alléluia, en venant ici, le marabout, il t'a donné, parfum, de protection, des parfums, qui attire les clients, et ce matin, arrivé ici, avant de commencer, ton commerce, tu as appliqué, le parfum, tu as pris les nasiki, et puis t'as mis les nasiki sur toi, avant de parler, avec quelqu'un, alléluia, Amen, tu as fait cela, ce matin, et puis t'es assis, alléluia, Amen, ce matin, avant de te lever, j'ai fait des choses, qu'on appelle des rêves, les rêves, les communements, qu'on appelle des rêves, et dans les rêves, tu as vu quelqu'un, quelqu'un qui est mort, depuis des années, et c'est cette personne. J'ai venu ce matin. Pour te dire. Arrivé au marché. Il va parler. Avec deux personnes. Avec trois personnes. Avant d'ouvrir. Ton commerce. Avant. De mettre en tas. Des aubergines. Des gombos. Ce matin. Tu as fait ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce matin. On veut te dire. Le souffle de vie. Que tu as là. C'est pas fétiche. Qui te donne ça? Le souffle de vie. C'est pas marabout. Qui te donne ça? Le souffle de vie. Ce ne sont pas les génies. Ce ne sont pas les marabouts. Ce ne sont pas les détruits. C'est pas eux qui t'ont donné ça. Alléluia. Amen. Mais c'est une personne. C'est un Dieu. Qui se trouve dans les cieux. Il te donne. La respiration. Réseau placard. Regarde un peu. Le marabout. Que tu connaissais. Avant, voilà. On dit les morts. Alléluia. Amen. Le féticheur. C'est qui tes parents? C'est qui tes parents? Va te consulter. Lorsque tu étais malade, lorsqu'il y avait problème, j'étais à la maison, je vais à la maison, c'est là-bas, il partait, c'est le féticheur, c'est le carnavateur, alléluia, amen, mais un bon jour, on dit le mot, alléluia, amen, bien aimé, c'est pour te dire, le féticheur, celui qui te compte, le marabout, celui qui te compte, Les charlatans, bien aimé, un jour viendra, et tous ils vont mourir. Ils te laissent même ici. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu te demande. Faut pas mettre ta confiance. Faut pas mettre ta confiance. Un bon jour. Il va mourir. Il va te laisser. Pour partir. Mais la personne. Il va pas te laisser. Il va pas t'abandonner. Il va pas te trahir. Il va pas te trahir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il ne veut pas. Alléluia. Amen. Bien aimé.
Ce matin, c'est pour te parler de la mort. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois pauvre, que tu sois orphelin, que tu sois orphelin, que tu sois pauvre, que tu sois pauvre, que tu sois veuve, que tu sois veuve, féticheur, sorcier, sorcière, que tu sois, chrétien, chrétienne, que tu sois, pasteur, révérend, bishop, bien-aimé, un bon jour, nous tous, on va mourir, alléluia, amen. Que tu sois musulman, chez toi, imam, un bon jour, nous tous, on va mourir. Mais après la mort, où iras-tu? Tu vas où après la mort? Aujourd'hui, à cause de l'argent, tu t'en fous de quelqu'un. Alléluia. Amen. À cause de 25 francs seulement. Tu risques de faire parler dans les gens. À cause de 50 francs. 100 francs. L'argent ou lieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te trompe. Tu t'es trompé. T'as donné la monnaie. À quelqu'un. Un passant. Et puis il est parti. Tu ne connais pas. Mais puisque. Il est parti. Avec tes 200. 300. Tu le maudis. Tu dis. Il est dans la dé. Sans franc. Tu l'insultes. Et puis à midi. À 13h. Tu vas aller prendre l'eau. Pour laver ta bouche. Laver tes narines. Pour te laver. Laver tes pieds. Tes bras. Pour aller prier. Bien aimé. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand on prie Dieu. On se sanctifie. On ne suit pas. Dans ton voix. Quelqu'un qui prie Dieu. Quelqu'un qui croit Dieu. Il y a Dieu dans son cœur. Il a peur. Parce qu'un jour. Il va mourir. Parce qu'un jour. Il va aller. Vers Dieu. Pour aller rencontre. Bien aimé. S'il se trouve. Ici. À Zapata. Au marché. T'as insulté. Ton frère. Ici. Tu n'as pas pardonné. Ton frère. Ici. Tu as parlé mal. À ton frère. Ici. Tu n'as pas eu à dire la vérité. À ton frère. À cause de ton commerce. Tu vas mentir. Tu dois payer. À cause de banane. Tu sais que. Banane. Ça t'a formé. Mais tu vas jurer que banane. Sans former. Tu sais que. Banane. Ils ont volé. Pour venir te vendre. Tu as vu que. Tu sais que. Banane. Le jeune. Il n'a pas chance. Il travaille pas. C'est un vagabond. Mais puisque. Il avait banane. Quand tu veux commerce. Va au marché. Pour venir vendre. Tu as payé. Tu sais que c'est vol. Il a volé une âme. Il a volé. Quand t'as pris. Pour venir vendre. Au marché. Bien aimé. Il y a un jour qu'on appelle la mort. Bien aimé. Lorsqu'on va mourir, on va aller rencontrer Dieu. Bien aimé. Il se trouve des bananes. Qu'on a payé. Quand tu sais ça. Tu ne peux pas. Rentre au paradis. Alléluia. Il se trouve, il y a des commerces, aubergines, des piments, toutes ces choses sont des choses volées. Tu ne pourras pas rentrer au paradis. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas. Va Dieu. Rendons pour la table. Le Seigneur, il nous envoie ce matin. Pour te dire que le vol, après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Si tu es dans le maçon, après la mort, il y a un jugement qui nous attend.
Après la mort. Après la mort. Il y a un jugement. Un jugement. Qui t'attend. Qui t'attend. Alléluia. Amen. Après la mort. Après la mort. Si tu n'as pas pardonné. Si tu n'as pas pardonné. Ton frère. Ton frère. Ma soeur. Ma soeur. Ma mère. Ma mère. Ta fait parole. Ta fait parole. Avec ton mari. Avec ton mari. Avec des paroles. Avec des paroles. De deux ans. De deux ans. De trois ans. Trois ans. C'est dans ton cœur. Tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. T'as une parole. T'as une parole. T'as une parole. T'as une parole. Avec tes camarades. Avec tes camarades. Avec tes camarades. Avec tes camarades. Camarade femme. Camarade femme. À cause d'enfant. À cause d'enfant. À cause d'enfant. À cause d'enfant. J'ai gardé la personne dans ton cœur. Bien-aimé. Ce matin. Ce matin. Le Seigneur. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu peux laisser tomber. Tu peux laisser tomber. Sinon, si tu meurs avec quelqu'un dans ton cœur, si tu ne pardonnes pas, après ta mort, lui aussi, il ne va pas te pardonner. Il ne va pas te pardonner. Il ne va pas pardonner. Après ta mort, il ne va pas te pardonner. Il ne va pas te pardonner. Il t'attend la main ce matin. Il t'attend la main ce matin. Il veut que tu pardonnes. Tu pardonnes à ton mari. Tu pardonnes à toutes les personnes. À toutes les personnes. À toutes les personnes. Que tu as maudit. Les personnes. Que tu as maudit. Il veut que tu demandes pardon. Il veut que tu demandes pardon. Alléluia. À ton mari. Que tu as trompé. À ta femme. À ta femme. Que tu as trompé. À ta femme, que t'as trompé. T'as laissé ta femme au village. Qui dit aujourd'hui, c'est vendredi. Je viens à la prière. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas la prière que tu viens. Mais tu viens pour autre chose. Mon frère, à la maison, c'est toi qui frappes ta femme. À la maison, c'est toi qui maltraites ta femme. Bien aimé. Après la mort, les jugements qui nous attend. Les jugements qui nous attend. Après ta mort, les jugements qui nous attend. Si tu meurs dans le péché, tu meurs dans le vol, manque de pardon, dans la corruption, dans le vol, dans le Jésus, tu insultes le mendiant. Tu fumes la drogue, la cigarette. Elle est mouillée. Bien aimé. Elle est mouillée. Elle est mouillée. Tu prends le tabac, l'alcool, le vodi. Bien aimé. Après ta mort, ces choses vont te condamner. Après ta mort, ces choses vont te condamner. Tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas le voir. À cause de toutes ces choses. Regarde plein pendant que tu vis. Le Seigneur te dit ce matin. Le Seigneur te dit ce matin. De te réconcilier à lui. De revenir à lui. Car c'est lui qui t'a accueilli. C'est lui qui t'a accueilli. C'est lui qui t'a formé. Avant que tu ne viennes dans ce monde. C'est lui qui t'a payé, qui t'a formé. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui connaît ton cœur. C'est lui qui connaît ce qui est bien pour toi. Alléluia. Alors ma soeur, le Seigneur t'appelle ce matin. Il veut que la femme s'habille d'une manière décente. Il veut que la femme s'habille correctement. Mais aujourd'hui, la femme n'a plus de valeur. Aujourd'hui, notre soeur a perdu la valeur. Aujourd'hui, notre soeur a fait que le cœur de Dieu n'est pas réjoui. Aujourd'hui, notre soeur, elle ne connaît plus la valeur. Par la manière de s'habiller. Par la manière de s'habiller. Elles ont pris des grosses sommes d'argent pour aller payer des habits qui mettent la sécurité dehors.
Elles ont porté des cyclistes pour se promener dans le quartier, pour venir au commerce ici, même à la maison. Elles portent des caleçons pour se promener. Ma chère, quelle est ta valeur? Ma chère, quelle est ta valeur? Tant qu'il porte des cyclistes, qu'il porte des collants, des pantalons pour te promener, quelle est ta valeur? Tu vas sur la mode. Tu vas suivre la mode, jeunesse de ce siècle. Tu vas suivre la mode. Tu vas marcher selon la mode. Tu vas suivre la télévision. Tu vas suivre la plan pour s'habiller. Tu vas suivre les Européens pour s'habiller, pour parler, pour se marquer. Tu vas suivre la télé pour marcher bien levé. Ce n'est pas la télé qui t'a créé. Ce n'est pas le plan qui t'a créé. Ce n'est pas le plan qui va te juger. Bien levé. Quand tu fais ton collant, le vie de ta mort, il y a un jugement qui t'attend. Parce que tu exposes ta face. Le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est sacré. Le corps de l'homme, que ce soit femme, garçon, un corps de l'homme. Le corps de l'homme, un corps de l'homme. Arrête de porter le collant. Bien aimé, pour mettre tes fesses dehors, pour qu'on puisse te draguer, pour avoir des thèmes, des appréciations. Bien aimé, si tu as la crainte de Dieu, si tu as peur de Dieu, si tu connais Dieu, tu connais ta valeur, tu ne peux pas passer la courant pour te promener. Tu ne peux pas mettre en face dans les cyclistes, dans les chocs, dans les minimums, dans les points plaqués. Bien aimé, toutes ces choses sont pour le diable. Le diable a mis toutes ces choses en place. Pour que vous soyez nus, le diable a mis toutes les choses en place pour que votre nudité en plus de voir. René Blanquer, ma soeur, quand toi tu prends le pantalon, tu fais de telle sorte que, avant les traces de ton caleçon, avant les traces de ton cycliste, avant les traces de ton sexe, tu te promets. Bien aimé, quand tu fais cela, mon frère, ma soeur, le diable te rend prostitué. Le diable te rend prostitué. Après ta mort, il va t'afficher. Il va prendre la Bible pour te dire, il est écrit dans la Bible qu'on doit s'habiller normalement. On doit s'habiller correctement. Mais pourquoi toi, tu as refusé? Parce que dans la grosse fesse, tu as mis ça dans le collant, ton pantalon, ta cycliste, dans le minimum, pour séduire, pour se faire draguer. Mon frère, ma soeur, quand tu fais ça, tu ne rends pas gloire à Dieu, mais tu rends gloire à Satan. Tu rends gloire à Satan. Parce que ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ce n'est pas pour être apprécié. Ce n'est pas pour que les gens puissent te draguer. Que le Seigneur t'a donné ta femme. Ce n'est pas pour plaire aux gens. Mais c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Mais c'est pour plaire à Dieu. Mon cher, le Seigneur veut que tu t'habilles simplement. Qui t'habille correctement. Le Seigneur te demande ce matin, avant que la mort ne te plaigne, arrête de porter le pantalon. Parce que le pantalon dessine ta forme. Et quand ta forme est dessinée, tu t'habilles ainsi pour plaire aux hommes et non à Dieu. Et quand tu plaires aux hommes plus que Dieu, après ta mort, tu ne peux pas aller au paradis. Parce que ton corps, c'est la maison de Dieu. Ton corps, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Ton corps est bien couvert, bien fermé, avec des robes
avec des chats. Quand vous aviez ici, vous n'avez plus de valeur. Vous n'avez plus de valeur. Quand vous marchez, n'importe qui peut venir vous traquer. Parce que t'as porté des habillements sexy, tu vas me dire tu es dans le cœur. Mais si ton cœur n'était pas d'accord avec Jésus-Christ, si ton cœur avait la crainte de Dieu, si ton cœur avait la crainte de Dieu, si ton cœur avait peur de Dieu, si tu avais la honte dans ton cœur, tu ne peux pas te promener avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas te promener avec des pantalons baissés. Tu ne peux pas te balader avec des pantalons pétés. C'est parce que je dis, le diable est en train de te tromper. Tu penses que c'est la jeunesse. Bien aimé, après ta mort, c'est lui qui va te juger. Je t'encourage, ma soeur, qui ne porte pas collant, qui ne porte pas toutes ces choses, parce que toi, t'as honte. Parce que tu ne veux pas dévaloriser ton corps. Parce que tu veux vivre dans l'intégrité. C'est comme ça que Dieu veut. C'est comme ça que nos parents d'avant s'habillaient. C'est comme ça que nos mamans d'avant s'habillaient. Elles ne connaissaient pas pantalon. Elles ne connaissaient pas culotte. Elles avaient la honte. Elle connaissait la valeur de leur corps. Elle connaissait la dignité de leur corps. Elle connaissait la valeur de leur corps. Nos mamans d'avant, dans les 1400, dans les 1800, elles ne portaient pas ces choses. Mais elles étaient mariées. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chante. Tu dis que tu es baptisé, tu connais Dieu. Tu parles en langue. Mais tu portes ces choses. Quelle est ta différence en toi, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Quand nous portons à Garayo, les prostituées, quand les prostituées, ils sont dans le Coran. Quand tu es dans le Coran, ils sont dans la cycliste. Quand tu es dans la cycliste, et puis tu dis pas de chrétien. Mon frère, pardon. Il faut avoir la paix de Dieu. Il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui nous attend tous. Après le port. Après le port. Bien aimé, on va te juger. Tu pries. On va te prendre par la gare, dans les matins, dans les bars. On va te dire arrête-toi. On appelle prostitué. On appelle la prostitué. Si on va faire la comparaison, peut-être même, elle serait mieux habillée que toi. Il ne faut pas que cela soit ici. Il ne faut pas que cela soit ici. Le Seigneur va te juger. En fonction de ton habillement, le Seigneur va te juger. La manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, la manière dont tu marches, les jus de jugement, tout sera jugé. Il ne faut pas te laisser tromper. Que Dieu regarde seulement le cœur. Que Dieu regarde seulement le cœur. Où se trouve ton cœur? Où se trouve ton cœur? Bien-aimé, Jésus t'appelle ce matin. À la repentance. Jésus t'appelle ce matin. À abandonner ces choses. Jésus t'appelle ce matin. À t'habiller correctement. Jésus t'appelle ce matin. À reconnaître la valeur de ton corps. À reconnaître que lorsque tu prends le corps, tu es nu. Lorsque tu prends le cyclisme. Tu es nu. Lorsque tu portes les mini-jupes, les mini-robes, tu es nu. C'est Satan qui l'a gloire. Le Seigneur te dit,
ce matin, lorsque tu prends la force de Dieu, tu n'as pas la mèche, le tissage, tu rajoutes, tu transformes la couleur de tes cheveux. C'est une manière de glorifier Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, tes cheveux-là, il a mal créé. Est-ce que tu sais où j'ai la mèche? Est-ce que tu sais où j'ai le tissage? Femme chrétienne, est-ce que tu sais où j'ai le mèche? Les cheveux humains. Va demander à Bigan. Il n'y a pas une jean de mèche. Va demander à Yopougon. Quand vous ment, il n'y a pas une jean de mèche en Afrique ici. Cette chose ne se pas pour Dieu. La Bible déclare, même le cheveu de votre tête se côté, le jour du jugement, le Seigneur va te demander, pourquoi t'as porté des mèches? Pourquoi t'as porté des tissages? C'est pour te rendre belle. Tu dois le dire ainsi. Bien aimé, c'est pas pour te rendre belle. C'est le diable qui te pousse à te révéler ton Dieu. Si dans la manière dont Dieu t'a créé là, tu es déjà belle. Il n'y a rien à compléter. Il n'y a rien à porter à la correction de Dieu. À tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Bien aimé. Le Seigneur, il te tend la main ce matin. Le Seigneur te tend la main ce matin. Il veut que tu restes naturel. Quand tu prends le faux cheveux. On dit faux cheveux, tu refuses le faux pied. Quand tu es dans le faux pied, tu refuses. Ma soeur, on te donne faux pied. Tu refuses le faux pied. Mais tu vas payer le faux cheveux, le faux ongle, le faux pied pour mettre sur toi. Pourtant, tu refuses le faux pied. Si on te donne ce qui est faux, tu refuses. Mais tu prends la force de pour mettre sur ton corps. Ma soeur, tu n'as pas force. Tu es naturel. Tu es belle comme ça. Si c'est que Dieu a créé, il ne veut pas voir ce qui est faux. Il ne veut pas voir dans sa créature toute fausseté. Le nom plaqué, il t'appelle ce matin. Abandonne la force de abandonne le faux angle. Abandonne le faux cible. Abandonne la faute. Abandonne la faute. Abandonne la faute verse. La faute apparence. Les phares. Abandonne toutes ces choses. J'ai dit t'aimes encore. Il veut que tu sois naturel. Faut pas porter correction. À Dieu, il sait pourquoi il t'a donné les hommes qui sont noirs. Faut pas mettre la faux hommes. Faut pas ajouter le vernis. Faut pas prendre la rouge à lèvres pour rougir ta lèvre. Il sait pourquoi tes lèvres sont noires. Il sait pourquoi tes lèvres sont rouges. Mais aujourd'hui, comme tu es intelligent, tu vas payer la phare, les pédicules. Tout ce qui est faux pour décorer ton corps. Tu vas prendre le faux de terre pour faire ton tête. Bien-aimé, le jour de ta mort, le jour de ta mort, tout le corps, le cheveu, le Seigneur va nous demander des comptes. Le Seigneur, il va nous demander des comptes. Le Seigneur va nous demander des comptes. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Si on se présente à lui, avec le cœur rempli de même de pardon, avec le corps rempli de force, avec le corps rempli de toutes ces choses semblables. Jésus te tend la main. Il
t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Peuple des avatars. Jésus t'appelle ce matin. À la réconciliation. Jésus t'appelle ce matin. À la réconciliation. Jésus t'appelle ce matin. À demander pardon à ton frère, à ta soeur. Jésus t'appelle ce matin. À changer de vie. Jésus t'appelle ce matin. À revenir à vie. Et à pardonner de mauvaise foi. D'abandonner la vie du monde, d'abandonner la prostitution, d'abandonner la prostitution de mort, d'abandonner la mort ce matin, abandonne la mode, abandonne la mode. Ma soeur, faut t'habiller pour plaire à Dieu. Non, jamais. Je vais prendre ce matin à un changement de vie. Alléluia. Les temps sont finis. Le voyez que Dieu peut. Le Seigneur veut vous demander de paix. Le Seigneur veut vous demander de paix. Jésus a changé ce matin. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Si tu es chrétien, c'est un avantage. Mais tu n'es pas encore qualifié pour le ciel. Tu peux être chrétien. Et l'esprit de ta mort, je dis pas tout. Je t'ai jamais connu. Parce que tu as vécu dans le péché. Parce que tu penses que la vie chrétienne, c'est dans le cœur. De notre cœur, tu peux aller pas encore. De notre cœur, tu es chrétien, tu penses que. On est chrétien, on peut faire adversaire. On est chrétien, on peut tromper ce mari. On est chrétien. On peut voler l'argent de pote. Tu penses que la vie chrétienne, c'est dans le cœur seulement. Tu es chrétien. Tu peux voler l'argent de pote. Pour aller payer. Pour aller payer ton titre. Tu peux diminuer l'argent de pote. Que ton mari te donne. Pour aller compléter l'argent de ton titre. Mais ça, c'est même vol. Et si tu meurs dans le vol, on ne peut pas aller au paradis dans le vol. On ne peut pas aller au paradis dans le vol. Voler son mari, c'est vol. Voler sa femme, c'est vol. Voler son papa, c'est vol. Si tu as pris quelque chose de ton papa, ça lui dit, tu as volé. Et le vie de ta mort, il y aura des fois d'arabe. Si tu l'as dans le chien de ton frère, ta volée sur ta peau, sa graine, ta volée, sa banane, ta volée, sa poulet, ta volée, tous les choses semblables. Tu connais où ton mari? Il garde sa monnaie. Il garde son argent. Tu te caches de l'ennemi. Tu te vas prendre sa vol. Le vie de ta mort. Le diable va t'accuser. Il est temps pour toi d'aller renoncer. D'aller dire à ton mari. D'aller dire à ton père. D'aller dire à ta soeur. À telle année, tel jour. C'est moi, j'ai volé ta valeur. C'est moi qui ai volé des millions de poulets pour t'appuyer à ce mois. Que tes frères, ta terre, tes paliers, c'est moi. Jésus
Ah, regardez cela. Il va te pardonner. Si tu gardes ça dans ton cœur, tu ne renonces pas. Tu ne t'emportes pas. Le diable est à mort. Le diable va t'accuser. Le diable va te condamner. À place de la condamnation, tu ne pourras pas rentrer au paradis. Par conséquent, tu vas descendre en enfer. Dieu ne veut pas que tu partes à l'enfer. Je te regarde ce matin. Tu t'arrêtes d'abandonner le vent, le concubinage, dans ta tête, dans ta carte. Tu fais ton corps. Parce que tu es bon. Tu as mis deux gars, trois gars. Tu fais des avortements. Tu fais des avortements. Ma soeur, tu es en train de tuer les gens. Mon frère qui pousse la fille, qui donne l'argent à ta gauche, par le faire avortement. Tu es en train de tuer les gens. Avortement devant Dieu. Avortement devant Dieu. Ça veut dire que tu es quelqu'un. Tu es même seul comme un sorcier. Tu es même seul comme sorcier, sorcier. Si tu as fait avortement, si tu as fait avortement, bien-aimé, tu n'es pas réconcilié. Tu n'es pas véritablement un Jésus-Christ. Tu meurs, tu ne peux pas aller au paradis. Avortement, c'est une manière de tuer quelqu'un. Quand tu prends le comprimé, tu prends le comprimé pour empêcher la grossesse. Quand on appelle le punir pour ne pas tomber en sec, le punir pour ne pas tomber en sec. Maman, tu as mis un feu au bord. Ton mari t'a donné l'argent. Par le feu piqûre, piqûre de 2 ans, piqûre de 3 ans. Et la piqûre, c'est pour prouver. Pour ne pas que tu tombes enceinte pendant la période délimitée par le médecin, pendant la période que le médecin a donné, tu as pris piqûre de 2 ans, de 3 ans, pour ne pas tomber enceinte. Ma soeur, pendant cette période, la semence se tombe. Qui verse, ce sont des âmes, ce sont des vies, des personnes que tu dis comme ça. Ce matin, j'ai dit d'appel à la réconciliation. Abandonner ces choses. Si tu as fait des choses, ma soeur, c'est parce que tu ne savais pas. C'est parce que tu étais ignorant. C'est parce que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te fait entendre. Le Seigneur, il te fait savoir ces choses. Si tu prends la capote, le préservatif, t'attends de tuer les hommes. En levant le doute trop, on dit c'est pour lutter contre le sida. C'est pour lutter contre le coccyx. C'est pour lutter contre des maladies. Mon frère, quand tu prends les trois préservatifs, communément, dans la fin de capote, aujourd'hui, tu n'as pas de honte, mais tu prends ça à la maison. Aujourd'hui, quand tu parles, tu as honte, mets ta sang dans ton sac. Les préservatifs, quand tu prends les capotes, c'est une manière introduite par le diable, Satan, pour tuer les gens. Parce que, avant de capoter que tu prends, tu as passé plusieurs fois. C'est ton gars, c'est ton âme. Il ne t'a pas accepté. Avant de capoter, il ne t'a pas accepté. Capote que vous utilisez. Ma soeur, si tu meurs avec ça,
tu ne pourras pas aller au paradis. Maintenant que tu prends la capote, ça fait que ta gueule ne te pas assiette. Ta gueule ne te pas assiette. Donc tu es en train de mettre une barrière. Tu es en train d'empêcher les gens de venir dans le monde. Tu es en train d'empêcher des êtres humains de venir dans ce monde. Si tu meurs, ma soeur, sans laisser ça, abandonner, tu n'es pas dans une véritablement à Jésus. Un peu de problématique. Capote versée, tu ne pourras pas aller au paradis. Tu ne pourras pas aller au paradis. Alors mon frère boutiqué, qui va la cigarette, qui va la cigarette. La plupart des boutiqués, ils ne suivent pas la cigarette. La plupart des boutiqués, ils ne suivent pas la cigarette. Mais une fois, les cravelles, les fils rouges, les fils nets. Mais pourquoi? Toi tu ne suis pas. Tu vas me dire, toi tu pries Dieu. Deux cigarettes n'est pas bon. Toi tu vas croiser aux gens. Et puis tu t'en vas prier Dieu. Pourquoi tu ne vas pas coup-tout-coup? Tu ne vas pas toutes ces choses. Jésus t'appelle à la repentance. Ce qui n'est pas bon. Tu vas pas donner aux autres à cause de l'argent. Tu vas mourir. Laissez l'argent ici. Boutique, Jésus t'appelle ce matin. À changer de vie. À te donner véritablement à lui. À abandonner la vente de la cigarette. La vente de l'alcool. La vente de la drogue. Les femmes qui vendent les comprimés, dans les comprimés, les trémaux, les cadavres, dans ton comprimé, tu as des comprimés, on va penser que c'est comprimé de palu. Mais tu veux des barres de physique. Tu veux des barres de physique. Dans ton comprimé se trouvent les cadavres, les tremors, toutes ces choses semblables. J'ai dit encore ce matin, il ne veut pas que tu meurs de ces choses, parce que ces choses vont se lever contre toi le jour du jugement. Le jour du jugement, ces choses vont t'afficher et ce soir vont te condamner les 30 semaines dans le paradis. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un marabout, un salata, le parrain, qu'on peut le suivre par le paradis. Dans ce 30 semaines, se trouve un séduiseur. Dans ce 30 semaines, se trouve à Jésus seul. Lorsque tu as Jésus, et puis tu marches dans la vérité, tu marches dans la crainte, tu marches dans la sanctification, dans la justice. Ça veut dire, tu ne parles pas Coran, tu ne parles pas mal aux gens. Tu ne réfléchis pas. Ou bien tu ne penses pas mal de ton prochain. Tu salues tout le monde. Tu ne voles pas. Tu ne mets pas de pommade à ton corps. Tu t'éclaircis. Tu ne prends pas la foi de terre. Tu es noir, tu deviens blanc. Arrivé, c'est Dieu. Il va te demander des comptes. Pourquoi tu es devenu blanc? Tu es né noir. Si tu es intelligent, que Dieu, il va te demander ça. Toi qui prends la pommade pour éclairer, pour rendre ton corps blanc,
devenir blanche. Le jour de ta mort, à cause de pommades de Tchatonie, à cause de pommades éclaircissantes que tu vends, que tu payes, que tu appliques sur ton corps, tu as changé la couleur de ta peau. Bien-aimé, j'ai un péché devant Dieu. Dieu, il sait pourquoi. Pourquoi tu étais noir? Il sait pourquoi. Tu étais noir. Il a créé les Chinois selon leur teint. Les Blancs selon leur teint. Les Africains, dominément ici. Les Baoulés, les Mochis, les Nobis, les Bétés, selon leur teint. Maintenant, tu te lèves. Tu dis tu veux devenir blanc. Tu ne vas jamais voir blanc. Fabriquer pour moi pour devenir noir. Tu ne vas jamais voir blanc. On n'a jamais vu cette pommade. Qu'on paye. Si tu es blanc, tu deviens noir. Mais c'est le blanc qui te trompe ici. Toi, tu es africain. Tu ne veux pas être africain. Tu es noir. Tu veux pas être noir. Si tu baisses tes pommades, tu changes la couleur de ton teint, le fond de teint, t'as le temps de te rébeller contre Dieu. Si tu meurs, sans te réconcilier, tu ne peux pas faire Dieu. Tu vas là en enfer, dans le feu. Oh, le Seigneur ne vient pas en enfer. Arrête arrête de changer la couleur de ta peau. Arrête de changer la couleur de ta peau. Arrête de te dire. Arrête de te défumater. Arrête de payer la pommade pour devenir clair. Ma soeur vivant la pommade éclaircissante qui fait qu'on devient clair. Le jour du jugement, à cause des pommades, qui ne veut pas faire Dieu. Si vous prenez des pommades, vous-même, vous n'utilisez pas ces pommades. Qui vend les pommades éclaircissantes, la femme c'est noir. Qui ne prend pas ces pommades, qui a les pommades éclaircissantes. En réalité, toi-même tu es noir. Réponds-toi. Jette toutes ces choses. Le Seigneur te demande ce matin de ne plus vendre ça. De ne plus vendre ça. De ne plus d'état. De ne plus utiliser pour mal. Pour devenir clair. Il dit ça pourquoi. Tu es noir. Il sait pourquoi. Tu es noir. Il sait pourquoi. Tu es noir, réponds-toi. Regarde ma soeur. Le diable te trompe encore. Il te pousse à faire des piercings. Il te pousse à faire des piercings. Tout ton corps est percé. Tes oreilles sont percées. Les oreilles de tes enfants sont percées. Ta personne dans ton nez, ta personne dans ton menton, ta personne même, en fait, tes lèvres, ta langue, pour mettre des boucles d'oreilles, le jour de ta mort, on ne veut pas t'enterrer avec ces boucles. Ma soeur, ne pense pas que tu n'es pas belle. Ne pense pas que tu n'es pas belle. Ne pense pas que ces boucles d'oreilles qui te rendent jolie. Ne pense pas que ces mèches qui te rendent belle. Ne pense pas que ces perruques qui te rendent belle. Ne pense pas que ces pommades qui te rendent belle. Ne pense pas que c'est le collant, c'est le mini-robe. Les mini-chambres,
les sectes qui se rebellent. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dans le chemin gréviste. Il sait pourquoi. Dans l'être noir. Il sait pourquoi. Tu es noir. Il sait pourquoi. Dans la petite personne. Il sait pourquoi. Tu es noir. Les deux braquins. Il veut que tu gardes ce thème. Il veut que tu gardes ce thème. Il veut que tu gardes ce thème. Cette femme. Car de la même manière, de la manière qu'il t'a créé, le jour de ta mort, tu dois te retourner comme ça. Tu dois te retourner celui. Tu dois retourner celui comme ça. Avec la même lèvre. Avec la même forme. Avec le même teint. Avec les mêmes cheveux, avec la même langue. Mais si je trouve que tu as modifié, tu as changé, il ne va pas te reconnaître. Il ne va plus te reconnaître. Les deux placards, ce matin, accepte Jésus et change de vie. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Je dis à ma part, si tu as changé ta peau, tu as fait toutes ces choses semblables, c'est dans le moment qu'il y aura. Tu ne savais pas. Mais à partir du moment aujourd'hui, tu le sais. Aujourd'hui, tu le sais. Alors ma soeur, ne fais pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Viens à Jésus. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Même si tu as fait les avortements. Tu as volé. Tu as tué. Ce matin. Sa grâce est là pour te pardonner. Sa grâce est là pour te pardonner. Sa grâce est encore là, disponible pour effacer tes péchés. Pour effacer tes péchés. Si tu pratiques la sorcellerie, tu pratiques la sorcellerie. De manière consciente. Ça veut dire que tu t'envoles la nuit. Quand tu fais le rêve, tu manges dans le rêve. C'est dans le rêve toi tu manges bien. C'est dans le rêve toi tu te poursuis. Tu t'envoles. C'est dans le rêve. On te poursuit. C'est dans le rêve. Tu manges bien. C'est un rêve qui fait un restaurant. C'est un rêve qui te voit dans la forêt. Qui te voit dans l'eau. C'est un rêve d'argent de coucher avec toi. C'est un rêve qui a des enfants en rêve. Qui est marié en rêve. Ma soeur, mon frère, ta vie en danger. Ta vie en danger. Accepte Jésus. Il y a des gens qui font rêve. Quand ils font rêve, tu vois les morts. Tes parents qui sont morts, tu les vois dans rêve. Ton papa qui est mort, tu les vois dans rêve. Ton maman qui est morte, tu les vois dans rêve. Tes grands-pères. Tes frères qui sont morts, qui les voient dans le rêve. Ma soeur, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Il y a un esprit de mort qui te poursuit. Il y a un esprit de mort dans ta vie. Il y
vie. Il y a un esprit de mort dans ta vie qui plus tard, si tu n'as pas changé ta délivrance, va provoquer ta mort par accident, par des crises cardiaques. Il va accuser sorcier, de faire sorcier. Il va accuser le visage. Ton grand-père du village, c'est pas lui. Ma soeur, les rêves que nous voyons aujourd'hui, la plupart de nos rêves sont de la réalité. La plupart de nos rêves, c'est la vérité. La plupart de nos rêves, c'est ce qui se passe en réalité dans notre vie. Il y a des gens qui font des rêves. Ils se font des rêves. Il est mort. Ils sont allés l'enterrer. Mon frère, c'est un signal dans ta vie. Tôt ou tard, si tu n'as pas fait attention, ils vont t'enterrer subitement. Je vais plaquer ce matin. C'est ta délivrance. La personne qui peut te délivrer, il s'appelle Jésus. La personne qui peut te délivrer de cela, il s'appelle Jésus. Tu te vois d'un rêve. C'est un rêve. Chaque fois, tu fais des rêves. Et quand tu fais des rêves, c'est un rêve. Tu as entouré de plusieurs personnes. C'est un rêve. Tu te vois à chaque fois dans des réunions. Réunions de famille. Réunions de village. Réunion de quartier. Ma soeur, mon frère, si tu remarques ça dans ta vie, tu es en train de pratiquer la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire, tu es sorcier, sorcière, mais tu ne sais pas. Tu peux être sorcier, sorcier, sans le savoir. Mais il y a des indices. Il y a certains points dans notre vie. Quand tu remarques cela, bien aimé, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, tu es grand, tu es marié. Il y a des femmes mariées aujourd'hui qui pissent sur le lit. Il y a des femmes mariées aujourd'hui. Je prends peur. Elle ne pardonne pas. Qu'elle se fâche. Elle frappe son mari à la maison. Elle va insulter son mari. Elle maudit son mari. Elle casse les biens de son mari. Qu'elle se fâche. Il faut que le monsieur sorte à la maison. Ma soeur, tente de pratiquer la sorcellerie. C'est la sorcellerie comme ça. Ma soeur, c'est un gros cœur qui ne pardonne pas. Quand tu te fâches, tu maudis les gens. Ton enfant même, tu le maudis. Tu l'insultes. Les bâtards, Nyamogote, imbécile, bête, sauvage, cabri, mouton. Tu as peur de pratiquer la sorcellerie sans le savoir. Ma soeur, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui dans la vie de ton enfant. Il a dit à ton enfant qu'il est bête. Aujourd'hui, il est devenu bête. Il a dit à ton enfant qu'il est mouton. Aujourd'hui, il est devenu mouton. Il est en bas, il est venu vous chercher. Répare-toi. Ma soeur, répare-toi. Sinon, après ta mort, après ta mort, ces paroles vont te condamner. Ces paroles vont te condamner. Après de tes paroles, toi qui dis à ton fils qu'il est bête, il est cabri, il vaut rien. Il vaut rien. Toi, la seule maman, t'as vu que la femme va. Il me décrète de ta mère, lui au monde.
Je regrette encore de tes paroles. Vos enfants sont de même. Parce que tu as dit à ton enfant, il est bâtard. Demain, il va devenir bâtard. Les paroles qui sont de votre bouche, il y a la vie dedans. Il y a la mort dedans. Si tu maudis quelqu'un, ça ne va pas. Les paroles que je dis sont des malédictions que vous déversez dans la vie de vos enfants. Ce sont des parents qui ont fait que vos enfants sont devenus voleurs. Ils sont devenus soulards. Ils sont devenus des personnes rebelles, brigands. Parce que tu as dit à ton enfant, il ne vaut rien. Il ne va rien être venu. Il ne va rien valoir encore. Il va égal à rien. Il va être égal à un gibot. À rien, même son combien. C'est ma chance. On pense à la. C'est une affaire. Il dit pas, elle dit pas amener. À ne plus insulter. À ne plus maudit. On ne peut plus produire son mari. On ne peut pas aller s'asseoir avec tes camarades femmes pour exciter ton mari. Pour dire mon mari vaut rien. Mon mari, il est capable. Il dort seulement. Il est paresseux. Il ne fait rien de bon. Ma soeur, tu n'as pas en train de l'élever. La terre de ton mari. Le côté tu le rabaisse. Vite fait de toi. Qui méprise ton mari. Qui méprise tes enfants. À quoi de toi? Le monsieur